Ouvre donc tes yeux un peu. Ouvre-les tes yeux. On te dit, t'ouvres pas assez tes yeux. Une fois même, par Doctolib, tu tombes sur un type ophtalmologue, mais il fallait que ça aille vite. Alors, lui, le gars, il te dit, mais je peux vous, là, couper les paupières, coudre les paupières, et vous auriez les yeux ouverts. Oh, t'es parti presque en courant, t'es parti. Ouvrir les yeux, oui, mais sur quoi? Ouvrir les yeux, oui, mais qu'est-ce que tu vois? Le monde est pas très beau à voir. Voir en dedans, oui, mais voir en dedans, c'est pas la peine d'ouvrir les yeux. Tu peux ouvrir grand les yeux en dedans en laissant les volets fermés dehors. Ouvre tes yeux sur quoi? Sur la vérité du monde. C'est pas forcément avec les yeux qu'on comprend la vérité du monde. Ouvre tes yeux pour voir, pour apprendre à voir. Mais des fois, tu ouvres les yeux et il te faut les outils pour voir. On utilise les outils à se voir pour mieux voir ce que sans les outils, on ne voit pas. Ouvre tes yeux. Je les ai toujours ouverts, mes yeux. T'ouvres les yeux dans les livres. T'ouvres les yeux dans les rêves. Tu ouvres les yeux. Qui ouvre tes yeux? Qui prend tes yeux et soulève du dedans pour que tu vois par tes yeux tes morts? Est-ce que tes morts, tu les vois devant? Est-ce que tu as besoin d'ouvrir les yeux écarquillés pour les voir, les morts? Les morts sont derrière. Les morts te lèvent aux épaules, ils te lèvent à la nuque, ils te portent en avant, ils te disent vois les morts. Mais ce n'est pas eux qui disent ouvre les yeux. Les morts, eux, derrière toi, ont leurs yeux ouverts. Ils te demandent quoi, les morts? Eh bien, de dire ce que les morts pensent de là, du monde et de nous, avec leurs yeux à eux, tout ouverts. Ouvre les yeux, fais comme moi, ouvre les yeux, fais comme moi, encore un petit peu, ouvre les yeux. Est-ce que c'est mieux comme ça?